Alors, il a été observé au début du XXe siècle à Saint-Louis, au Sénégal. C'était considéré comme un jeu réservé aux femmes, et dans certaines familles, il est interdit aux jeunes filles et aux garçons non circoncis d'y jouer. Alors, vous allez mettre 6 pions. Donc, 6 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est la rangée de mon adversaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est ma rangée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc moi, ce sont mes 4. Et en face, ce sont les 4 de mon adversaire. Dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, alors même si vous jouez dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est pas bien grave, eh bien, vous allez égrener vos jetons. Donc, 1, 1, 1, 1. 1, 1, donc là il y en a 7, 7, 7, 7, 7, 7. Et vous n'avez le droit de récupérer des jetons dans votre rangée que s'il y en a 2, 4 ou 6. Alors le joueur ici prend ses 7 pions. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Alors ici, il y en a un. Donc, il suffira qu'il termine ici avec un jeton pour pouvoir gagner. Sauf que on le fait lorsque c'est de son côté. Alors, à moi de jouer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. Donc, il y en a un, je ne peux pas récupérer. Si c'était tombé là, il y en avait deux, c'était bon. Alors, au joueur suivant, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ici, il y en a deux, mais il n'a pas terminé ici, donc il n'a pas le droit de ramasser. Alors, à mon tour. Alors, c'est 2, 4 ou 6, hein. Pardon, j'ai oublié là avant. Hop. Hop. Alors ici, il y en a 5 malheureusement, donc je ne peux pas récupérer tout de suite. Le joueur ici, 3, 2. Alors 2, 1, 2. 1, 2, 3. Bon. 1, 2. 3, à moi de jouer. Alors, combien j'en ai là? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, j'en ai 5. Alors, je vais prendre un ici. Et le mettre ici. Le joueur ici. On a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors attention, parce que maintenant on ne s'occupe pas si c'est notre pile ou pas notre pile. Le joueur a terminé, mais il n'y en a que 5. Zut, je croyais qu'il y en avait 6. Donc, on s'en moque, hein, de savoir si ça appartient à un joueur ou à un autre joueur. En fait, toute pile de 2, 4 ou 6 est récupérée, à condition, bien sûr, qu'on termine dessus. Alors, ici, il y en a un. Ici, il y en a combien? 3, donc il en manque un. Je peux pas finir avec. Donc, là, j'en ai 2. 1, 2. Ici, il y en a 5, 4, 1, 2, 3, 4,
Alors, le joueur ici prend ces pions-là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors ici, il n'y en a que 3. S'il y en avait eu 4, il aurait pu récupérer. Mais il n'y en a que 3. Donc vous voyez que ça peut être très long. Donc ici, il y en a 3. Mais pas de possibilité de terminer pour en avoir 4. Ici, il y en a 5. Pas de possibilité de terminer pour en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15. Alors imaginons par exemple qu'ici, j'en ai eu que 15. Ici, j'en ai 2. Donc je les récupère. 1, 2, 4 ou 6. Et c'est au joueur, à l'adversaire de jouer. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.